Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Nier Automata sur PlayStation 4. Édité par Square Enix, développé par Platinum Games, sorti officiel le 10 mars 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans, même si selon moi un Peggy 12 aurait été plus juste. Superbe note de 90 sur 100 sur Game Rankings, soit 18 sur 20. On se retrouve donc du coup enfin avec un nouveau jeu sorti tout droit du génie de Yoko Taro, le créateur de la saga Nier, sorti sur PlayStation 3 en 2010. Donc Nier Automata, c'est la suite de ce jeu. Nier qui lui d'ailleurs était aussi un spin-off aux suites alternatives de Drakengard sur PlayStation 2, les fameux beat'em all toujours inspirés du génie de Yoko Taro. Donc là, on incarne 2B, une androïde qu'a créé l'humanité. Bon, je vous en parlerai plus avec plus de précision durant le gameplay, mais là je me suis arrêté sur ce point de ravitaillement dans cette petite ville de rebelles pour vous montrer un petit peu déjà le menu dans un premier temps. Bon, là c'est là que vous pouvez donc du coup regarder la carte. C'est un open world RPG. Pour l'instant, ce que vous voyez de cette map n'est absolument rien. Ça, c'est uniquement ce que j'ai découvert et tout le reste est à voir, croyez-moi. Pour les quêtes, donc là après vous pouvez avoir votre suivi de quêtes, les quêtes terminées et les quêtes en cours. Là vous avez bien sûr vos objets, on va aller vite, hein, on va faire ça rapide. Les armes avec, votre panel d'armes au total avec des pourcentages. Vos capacités sont à droite. Les ensembles d'armes, vous pouvez avoir deux packages d'armes avec ce premier slot qui concerne la touche carré et le deuxième la touche triangle. Donc vous pouvez du coup comboter à deux armes. Préférence d'armes légères et lourdes, c'est ce que vous recommande le jeu. Vous avez trois types d'armes qui sont donc du coup les épées courtes pour les attaques légères, les grosses épées lourdes pour les attaques lourdes, et vous avez aussi des lances et bien sûr les attaques à points nus. Vous avez ensuite vos compétences, et c'est là que je voulais un petit peu m'arrêter. Vous avez ce qu'on appelle du coup des pods. Ça, ce sont des attaques supplémentaires avec la touche L1 que peut faire votre petit robot. C'est ce qui était ce qui virevoltait au-dessus de ma tête. Et vous avez donc du coup les puces de fonctionnalité, et ça c'est vraiment sympa. Donc ça, ce que vous voyez au milieu, c'est en gros une sorte de bande passante, c'est la RAM de 2B, la fille que l'on incarne. Du coup, vous pouvez donc du coup vous installer des puces et vous voyez donc du coup combien elles vous prennent de slots. Vous voyez que par exemple la puce système en comporte 2, en haut à droite stockage utilisé 21 sur 40, et vous pouvez ajouter des choses. Donc ça par exemple, toutes ces puces, c'est de la TH. Ça affiche la minimap, ça affiche votre jauge de compétences, votre jauge de PV, etc. Et donc du coup, pour un petit peu personnaliser votre interface de jeu, vous devez du coup compléter un peu votre bande passante. Vous aviez déjà des choses, des petites puces bonus comme l'esquive automatique qui se fait normalement avec la touche R2. J'ai trouvé ça plus simple de directement l'intégrer pour qu'elle puisse esquiver et que moi je puisse en gros m'éclater à faire mes coups. C'est un petit peu l'item qu'on débloque à la fin du donjon dans Final Fantasy XV, quoi. C'est le petit objet qui permet à Noctis de tout esquiver. Bon, ben voilà, ça je me le suis mis, ça prenait que un de slot, alors autant se faire plaisir. L'attaque auto, bon là je préfère quand même jouer, mine de rien. Le tir auto, je préfère aussi avec R1 pour mon petit drone au-dessus. Le programme auto, donc ça c'est en gros changer votre arme, en gros faire passer l'arme que vous jouiez en triangle avec la touche carré et vice versa. Le changement d'arme, ça c'est le personnage lui-même qui voudrait changer quand il le veut. Bon, ça voilà, j'ai pas non plus envie que le jeu m'assiste tel un handicapé. Je suis loin d'être paraplégique à ce point. Du coup voilà, puis ensuite vous pouvez optimiser, donc autrement dit faire de l'espace sur votre bande passante pour pouvoir avoir plus d'espace et poser vos puces. Les données, bon ça c'est directement les armes, c'est votre glossaire en fait, et le système c'est pour charger vos sauvegardes, etc. Donc là voilà, je devais aller au magasin pour découvrir ça avec vous. Je peux maintenant améliorer mon arme de base avec carré, l'attaque de 150 à 180 va passer de 270 à 324, faisons-nous plaisir. 250G, je ne sais pas ce que c'est, je sais qu'ils l'ont dit mais je ne me rappelle plus. Bon allez, pour 2500 pardon, on va le claquer. Je me retrouve à 19630, c'est pas bien grave, et je vais m'acheter une seconde arme qui coûte 10 000, qui sera mon arme à inclure avec la touche triangle. Équiper les armes, voilà, ce sera fait. Sur mon ensemble d'armes, je la mets à triangle pour les estramaçons. Voilà, ce sont les différentes armes, petites épées, estramaçons, lance et gantelet de combat. On va mettre l'estramaçon à la place des mains nues,
ce sera beaucoup mieux. On va l'équiper. Et ensuite, donc du coup, passons aux puces. Donc là, voilà, vous voyez, donc déjà le stuff se met derrière votre dos. L'arme avec carré est la plus proche du dos de 2B. Et triangle, c'est l'arme la plus éloignée. Allez, passe-moi tout ça. Oui, j'ai compris. Je sais qu'on peut équiper et les améliorer au fur et à mesure. Et voici la vendeuse de pods. Enfin, de pods. D'armes et de puces de compétences. Alors, donc du coup, achat, amélioration de puces. Donc du coup, on peut fusionner des puces, mais bon, pour ça, il faut en avoir deux identiques du même rang. Je vais vous montrer vite fait. On peut améliorer ensuite, voilà, le pod, ça c'était ma super attaque. On peut en acheter un, voilà, ça c'est le laser, ça fait plusieurs attaques, des lances qui sortent du sol, des boucliers autour de vous, de l'espace de stockage pour votre RAM, parce que voilà, enfin, au fur et à mesure que vous achetez des petites puces, bah, ça peut quand même... ça peut vous prendre pas mal de place sur la bande passante. Du coup, elle, voilà à quoi elle sert. C'était pour me le rappeler surtout. Et ce vendeur, que vend-il? Des soins de des consommables directement. Et voilà, des puces. Donc du coup, je vais pouvoir voir la jauge de PV du joueur. Mais ça, j'en ai déjà une avec moi. On voit le chiffre 1. La jauge de... affiche la jauge de compétences, info ennemi, le journal, la carte, je l'ai déjà, qu'est-ce que c'est? La jauge d'XP, je ne l'ai pas, ça coûte 5000. Putain, je peux pas savoir quand est-ce que je monte de niveau, vous voyez, c'est assez ouf ça. Du coup, l'attaque auto, voilà, tout ça, je l'ai. J'aimerais, je sais pas moi, quelque chose... La page en acheter un, ah ça aussi, il va falloir que je vous montre, ça permet du coup d'avoir une monture, ça c'est assez classe. PV max, attaque d'armes, pourquoi pas? Ouais, on va déjà se prendre... Non, j'ai quand même envie de savoir quand est-ce que je monte de level quand même. Donc du coup, la jauge d'XP, ça va coûter 5000, ça pique un peu par contre, avec 4000, est-ce qu'il me reste au moins une attaque d'armes? Ça coûte 500, ça va. Ça va me prendre 11 de place quand même sur ma bande passante. On va s'en acheter un, on va voir ce que ça donne, et on va regarder tout ça. Du coup, passons dans les compétences, regardons les puces de fonctionnalité. Du coup, personnalisons là toutes les puces. Alors, il y avait mon ATH de jauge d'XP, ça va me prendre un, donc je vais monter à 22 sur 40 dans la logique, voilà. Et l'attaque d'armes qui me fait donc du coup de 1103, je vais prendre un plus 22, plus 23 en lourde. C'est plutôt pas mal, ça va me prendre que 11, donc je vais monter à 33 sur 40, dans la logique. Ah ouais, ça prend pas mal quand même. Et donc vous voyez, voilà, et au fur et à mesure, vous devez du coup prendre de l'espace de stockage, en acheter et augmenter en gros votre RAM en fait. Et c'est assez sympa, franchement, pour ce style RPG, c'est vraiment, vraiment classe. Bon, du coup, voilà, je vais pas perdre plus de temps. J'ai sélectionné déjà une mission où il faut que je me rende. Et du coup, elle se trouve... ici dans la logique, voilà, elle est là-bas, on va la marquer et ben, du coup on y va de suite. Du coup, bon, au moins ouais, on voit la barre d'XP en haut à gauche, ça c'est beaucoup mieux. Bon, du coup, et ben, au moins on sort un petit peu de cette base de marché rebelle. À niveau graph, il est quand même assez beau, franchement, un petit style graphique qui est vraiment sympathique. Au moins ça permet de voir autre chose. Sur la minimap là, je me dirige du coup vers... Parfait, bah, c'est des cerfs, donc, généralement c'est des animaux qui ont ce logo. Je vais utiliser donc du coup ce que je comptais vous montrer, c'est l'appât. Alors, hop... Voilà, donc du coup, là normalement, l'un des cerfs va avancer. Si ce n'est les trois, ben ce sont les trois. Et les trois vont en bouffer? Non, d'accord, ok. Dès qu'il n'y en a qu'un seul, ok. Bon, voilà. Et du coup, ça nous permet de l'apprivoiser et d'avoir enfin une monture. Et ça, c'est vraiment classe. Au moins, ça nous permet de traverser la map beaucoup plus rapidement. Je vous l'ai dit, c'est un open world. Du coup, ouais, franchement, c'est... c'est assez conséquent quoi, c'est vraiment bienvenu le fait d'avoir des montures. Et là au moins si on fonce droit dans le tas, on pourrait quand même assez faire mal je pense avec la monture. J'essaye au moins de le shooter mais... ouais non, en fait il me faut de l'élan quoi, d'accord.
T'as compris, il me faut de l'élan. Lol. Putain, bon, blague à part. Je suis désolé, je l'avais bien trouvé, celle-là, je suis content. Eh, c'est qu'ils sont un peu robustes, ceux-là, niveau 9. Eh, je suis que niveau 6, les gars, calmez-vous. Hein. Il est où? Il est là-bas. Bon, voilà, une fois qu'on descend de l'élan, il faut le reprendre, reprendre son élan. Non, bon, allez, je deviens lourd, là. En plus, il se barre. Bon, ok, donc apparemment, faut vraiment pas descendre de sa monture. Et du coup, bon, sinon vous la perdez forcément. Et bien rendons-nous du coup sur le point de mission, hein, rendons-nous à Pat. Donc je vous explique du coup un petit peu. Alors, Nier, qu'est-ce que c'est? Et non, Nier. Parce que les puristes devraient dire Nier. C'est comme un petit peu le débat Bioshock-Bioshock. Du coup, ça se passe directement après le jeu Nier qui était sorti en 2010 sur PlayStation 3. Et où est-ce que l'on incarnait justement Nier, avec un monde ravagé par la maladie, etc. Ça, c'est les points de sauvegarde. Mais bon, ça, j'ai pas besoin. Ah, on change de suite de décor, ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, en 5012 après Jésus-Christ, bah, du coup, la planète Terre qui se fait envahir par des extraterrestres munis d'armes biomécaniques en fait. Il est trop bizarre lui. J'ai pas l'impression qu'il nous frappe en fait. Mais bon après si l'autre l'attaque. Ça c'est trop drôle, tu les tapes, ils rétrécissent. J'ai pas l'impression que je prends de l'XP. Je sais pas. Bon tant pis, avançons. Du coup voilà, en 5012 du coup, la Terre est envahie par des extraterrestres et donc du coup l'humanité décide de se réfugier en fait sur la Lune. Et c'est en 5042 que une organisation qui porte aussi le nom de l'humanité décide du coup de créer des androïdes, donc 2B et 9S ici présents, qui reviennent après sur Terre en fait pour essayer de débarrasser la Terre de ces nanomachines et de ces envahisseurs. Donc ça c'est un petit peu l'histoire de base. C'est le background qui est un peu différent de Nier sur PlayStation 3, où est-ce que c'était plutôt du coup un monde ravagé par la maladie. On n'est pas trop dans le même style, même bon si ça reste vraiment un beat'em all avec des phases de shoot'em up, ça c'est vraiment sympa. C'est pour les puristes franchement et ceux qui ont un petit peu la nostalgie et qui voudraient rejouer un jeu style un petit peu Space Invader. Ou les autres, je sais pas, les F-Zero ou Blast Factor, hein, tous ces petits jeux de vaisseaux où est-ce qu'il faut shooter. C'est vraiment sympa, il y a des phases 2D en vue subjective, latérale, c'est vraiment classe. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est grand, hein? Zone désertique. Tu m'étonnes! Ouais, ils nous ont pas menti quand ils ont dit Open World, vraiment. Quand je vois ça, ça limite ça me décourage quoi. Ah bon, on va plus vite. Ça veut tout dire. Ça, c'est le truc téléphoné pour te dire qu'il n'y a pas de monture. Va t'aider des dunes pour essayer de glisser et de parcourir la map plus rapidement. Putain, par contre, c'est. Oh là là. La vastitude de la map, c'est un truc de fou. Ennemi niveau 12. Je me demande si j'aurais pas dû un petit peu pex avant d'y aller. Oh non, il y a du 6. Et puis je level up, ouais, c'est bon, j'ai rien dit, merde. Bon du coup vous voyez on peut switcher avec carré triangle en fait pour enchaîner, faire des combos légèrement plus longs quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup voilà, donc on incarne 2B qui est l'une des androïdes. J'ai passé le moment de la démo pour ceux qui ont pu la faire sur PlayStation 4, à savoir que le jeu sort sur PS4 et PC. Donc du coup 2B et 9S ont décidé de s'auto-détruire pour détruire un immense mecha. Et ensuite donc du coup ils réapparaissent à leur base parce que leur boîte noire a pu être retrouvée et réintégrée dans un corps qui est identique à le leur. Donc du coup voilà, c'est pas l'enveloppe entre guillemets charnelle de base que l'on incarne dans Nier Automata. C'est en fonction, en fait, vous avez même l'option de pouvoir vous auto-détruire pour finir une mission quand vous y êtes obligé. Avec L3, R3, vous restez appuyé pendant 2 secondes et le personnage s'auto-détruit.
Du coup, voilà, enfin, le personnage peut mourir un nombre incalculable de fois, vous réapparaîtrez, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, en fait? C'est pas l'objectif, ça, vu que le petit logo en bas est différent. Ah, c'est un point de sauvegarde. Encore un point de sauvegarde. Ah, en fait, voilà, les points de sauvegarde, faut les mériter. Faut démonter tout le monde, en fait. Et une fois que c'est démonté, le champ de force autour se désactive. Et vous pouvez directement y aller en débloquant la zone topographique. Bon, continuons de récupérer du coup du matos. C'était ma mission de base, en fait, de récupérer quelques éléments mécaniques. Donc après, voilà, ça reste après des missions qui sont assez simples, plus des missions dans le style Discover, hein, qui vont vous faire un petit peu marcher. Mais franchement, bah, c'est assez classe, franchement, d'avoir un style. Bah, de toute façon, après, quand on a pu jouer au Nier ou même les jeux comme Drakengard, enfin, c'est. On a l'habitude de ce genre un petit peu style ben, open world, bon là qui est vraiment optimisé sur PlayStation 4. C'est vraiment sympa. Mais du coup d'avoir une espèce de Devil May Cry open world, beaucoup de gens le comparent à Bayonetta. Est-ce que juste c'est parce que... Qu'est-ce que c'est ces trucs? Et j'ai un troupeau de kamikazes. Hein. Putain, c'est trop bizarre. Enfin bon. Du coup, voilà. Est-ce que c'est parce que 2B a de belles courbes et que Bayonetta, elle aussi, elle pue un peu là. Voilà, vous m'aurez compris. Mais je sais pas. Bon, après, aussi, oui, Bayonetta est un beat'em all version DMC. Après, c'est vrai que quand on dit beat'em all, on pense forcément peut-être à du Dynasty Warrior avec un nombre incalculable de gens, une supériorité en force conséquente, etc. Non, non, à la base, voilà, enfin, il y a le bon vieux beat'em all avec petite zone. Enfin, là, c'est pas exactement ça, petite zone. On est vraiment, c'est grand. J'en reviens toujours pas, quoi. Enfin, on s'attend pas à avoir de l'open world pour un style de jeu pareil. Et franchement, c'est cool. C'est vraiment le bienvenu. Après, il a eu vraiment peu de com ce jeu. Donc, j'espère que bah, du coup, ce test pourra plaire à pas mal d'entre vous. Moi, en tout cas, franchement, c'est banco. Il est vraiment, vraiment génial. Donc du coup voilà, cette zone en plus ça va pas trop vous spoil, c'est juste après la démo pour ceux qui ont pu la faire, donc du coup c'est vraiment. Allez, vous allez jouer 2 heures, vous êtes. Même pas, vous m'aurez dépassé en jouant 2 heures. Bon mais il en reste qu'un. On va le démonter. Ah il a disparu. Ah, et je crois qu'il devait disparaître. Hein. Petite bande noire. Hein. D'accord, bon ben allons-y. Tu ne m'échapperas pas, enculé! Voilà, petit consommable ou item à récupérer, ça c'est sympa. Ah ben, encore une nouvelle zone hein, que l'on peut découvrir, donc du coup, dans laquelle on entre. C'est sympa, le nom des zones est affiché un petit peu à la FF, comme quand on rentre dans une zone, c'est assez drôle. Bon, après, vous allez me dire, il y a Square Enix parmi les éditeurs développeurs, donc en même temps. Je pensais me rattraper, et puis au final, je me suis un peu chié. Bon, ça va, j'ai pas perdu beaucoup de vie. Alors, flèche du bas, soin léger, hop, voilà. Bon, du coup, voilà, avec la flèche du haut, vous pouvez changer votre dispositif, passer, comme je vous ai dit, votre arme de carré à triangle et triangle à carré. Et sinon, flèche du bas, c'est directement les consommables et utiliser ces ronds. C'est pas par là. Après, les musiques de fond sont assez sympas. Je trouve qu'elles ressemblent, pour la plupart, dans les musiques durant les combats, ça ressemble énormément aux musiques de Ghost in the Shell. Pour ceux qui vont pouvoir jouer au jeu et qui pourront écouter, franchement, c'est. Dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression d'entendre cruellement Ghost in the Shell, quoi. Pas la série, hein, je vous parle vraiment du film animé, quoi, le vrai Ghost in the Shell, quoi. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur, hein, du film qui va bientôt sortir, quoi. Mais arrête de courir, oh là là, laisse-toi taper. En plus, c'est téléphoné, je vais avancer. Ouais, forcément, voilà. C'était sûr. Toujours du monde pour me ralentir. Enfin, je sais pas, normalement, enfin, c'est pas Usain Bolt ce petit machin, quoi, normalement, enfin.
Il a disparu, je suis sûr qu'il est à 1 km plus loin, quoi, déjà. Voilà, après, quand vous sprintez, vous avez qu'à marcher sur des débris, hop, elle fait limite de se... elle fait genre de se casser la gueule. C'est assez chiant, ça vous ralentit un peu. Ouh, là, il y en a beaucoup, là. Là, on va s'amuser, là. Bon, là, après, comme je vous ai dit dans mon mode, j'ai mis l'esquive automatique. Mais quand vous appuyez sur R2 au bon moment, elle fait exactement ce que vous voyez quand elle esquive les coups. Et si vous appuyez sur carré directement après, bah, du coup, vous envoyez l'ennemi virevolter dans les airs. Et donc, du coup, vous pouvez le comboter pour le finir avec un bon petit slash. Oh putain, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Les DMC Bayonetta, c'est ce qu'on appelle des beat'em all hack and slash, voilà. Du coup, voilà, c'est ce style où est-ce qu'on vraiment on poutre l'ennemi à essayer de faire les meilleurs combos. Je ne vous rappelle rien. D, C, A, S, W, S, triple S. Voilà, on se rappelle des les Smoking Six Style qu'on essayait de faire sur DMC. Donc voilà, on gagnait des points en faisant les meilleurs combos possibles avant que l'ennemi ne retouche le sol. Voilà, c'est le principe du hack and slash. Et là, bah, dans Bayonetta, on a un petit peu ce style, même si on n'est pas réellement récompensé pour les combos. Si je dois citer des points négatifs... Oh, tiens! Le un corps. Donc ça, voilà, ça vous permet de faire trois choses différentes. Prier, récupérer le corps ou réparer le corps. Ça, je l'avais lu. Donc ça, du coup, prier, ça, c'est... du coup, le joueur va recevoir quelques petites récompenses de votre part quand il aura vu que vous aurez prié pour lui, en fait. Une fois que vous avez prié, vous pouvez récupérer, réparer. Donc en récupérant en fait le corps, ben, vous allez pouvoir vous emparer. En fait, vous ne lui volez pas parce qu'il les garde s'il peut revenir sur son corps, mais vous récupérez ses puces comme vous avez pu le voir en fait. Et ça vous permet de ne pas en acheter directement chez le marchand et puis de les revendre. Après, vous pouvez mourir, revenir sur votre corps un petit peu, vous savez, à la Dark Souls. Quel tocard. Et en fait, et ensuite re-récupérer vos modes que vous aviez en fait. Mais si vous remourez avant de revenir sur votre corps, et bien là vous les perdez définitivement. Voilà, après si vous décidez de réparer le corps, vu qu'il y a les fonctionnalités multijoueurs. Oh, c'est horrible! Putain, c'est que des corps comme nous. C'est que des Yora quoi. Ouais, voilà, en fait, l'unité Yora en fait c'est nous quoi, ce sont les androïdes. Oh, c'est une horreur! Bon là apparemment je peux que les récupérer. Et du coup si vous décidez de le réparer, en fait c'est un ordinateur qui l'incarne. Et en gros il agit un peu comme un 9S qui vous accompagne. Et du coup il se bat à vos côtés. Et c'est plutôt sympa, ça c'est drôle, ça vous permet d'avoir plusieurs personnages avec vous quoi. Il se passe des trucs chelous ici. Après vous avez des phases, donc du coup voilà, scrolling horizontal, c'est assez sympa, on se retrouve dans les bons vieux jeux, qu'on avait, voilà, dans les hack and slash, quand on partait gauche-droite à la double dragon, quoi. Est-ce qu'il m'accompagne? Oui, c'est bon, il me suit. Voilà, au moins j'aurais pu vous montrer, réparer. Ah, bordel, je voulais aussi l'avoir, l'autre corps, et j'ai trop avancé, je suis tombé. Oh, c'est creepy, qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est ouf. Qu'est-ce qu'ils font? Eh mais ils copulent! Oh, ça en devient gênant quoi, c'est dégueulasse! Eh mais arrêtez-vous! Attends, on dirait qu'ils essaient d'imiter les humains quoi. Amour, amour, amour. Mais ouais, mais c'est ça, hein. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Après, j'ai vu que vous aviez plusieurs phases dans le jeu qui vous permet même d'éviter d'affronter des boss, en fait. Car certaines de ces machines, apparemment, sont pacifiques, figurez-vous. Et vous aurez des missions à remplir de leur part. Donc ça, c'est ouf. J'avais vu dans un test écrit que une personne qui était rentrée dans un lieu qui était habité que de ces petites machines, elle ne l'attaquait pas, il a décidé de ne pas les attaquer, et à la fin il y avait un boss qu'il devait affronter. C'était un style de parc d'attraction à la Disneyland, et c'est un gros tank qui tirait des, 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 des,
avec son canon des confettis. Et au final, le tank l'attaquait pas parce qu'il avait attaqué personne. Donc du coup, il avait pu passer le lieu tranquille. C'est assez sympa. Enfin, je pense qu'il faut se battre à un moment. Mais le jeu, du coup, nous permet d'avancer sans forcément avoir à se friter. Et ça, c'est aussi une opportunité qui n'est pas négligeable des fois quand on veut avancer. Les choix qu'on va avoir, c'est plutôt cool quoi, de savoir si on peut le fracasser ou pas quoi. Ça devient de plus en plus bizarre quoi. Ah mais je parlais mais je trouvais qu'il y en avait de plus en plus qui m'attaquaient en fait. Donc c'est ok. Il n'y avait pas que le petit groupe du début. Oh, c'est malsain. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oui, du liquide, bien entendu. Un android? Non. Tain, vite fait, j'ai cru que c'était Nayer. Il y a plus la dégaine de Sephiroth un peu. Enfin, je dis juste par rapport aux cheveux. Quoi, on l'a déjà tué? Il est niveau 3. Il était pas level 1? Niveau 4. Niveau 7. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Il monte de level à chaque fois qu'on le... Oh, mais ça devient dangereux, ça. Faut qu'il se calme. Moi, je suis level 8. Il est déjà à un level de moi, quoi. Putain, mais c'est fou. Franchement, ce jeu est bourré de surprises. C'est fade. Ce léger style steampunk pour les protagonistes avec cet open world, post-apocalyptique, c'est un mélange mais qui est génial, franchement. Après, ça reste vraiment assez épique. C'est vraiment dynamique, c'est super quoi. Bon allez, tu vas crever. Monte pas de level. Oh putain, aussi, ça y est. Il est à mon level, c'est génial. Combat équitable. Non, ça y est, level 9. Bah oui, ça y est, il est... Forcément. Fallait s'y attendre. Level 10, bah oui, pourquoi pas, un petit compte rond. Allez, vas-y. Ah, je commence à avoir peur. J'ai peur qu'il fasse, je sais pas, une espèce de dash en avant, genre level 20 d'un coup. Ah bah non, c'est bon. J'ai pu monter level 9. Oh! 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 Double pénétration dès le premier rendez-vous. Waouh! Vous y allez fort. C'est dégueulasse. Attendez, mais est-ce que c'est ces robots-là, du coup, qui créent les androïdes que nous sommes? Non. 9S, au début de... durant la démo, il se fait démolir, et on voit nettement que c'est un robot. Lui, il saigne. Est-ce que c'est les robots qui créeraient les... Des humains biotiques, bizarres. Oh, trop de questions qui se posent. Ouais, Nines, t'as raison. On devrait y aller. Putain, c'est bizarre. C'est à la fois malsain et glauque et tellement captivant et intriguant, quoi. Putain, je suis curieux de voir ce qu'il y a après. Bon, ok, ça c'est la sortie. Allez, go. Cool. Allez, dépêche-toi. Non, franchement, on est vraiment pris par le jeu. L'immersion est vraiment totale. Ça, franchement, c'est vraiment banco. Parfait. Ouh. Je crois que Nines, il a pas eu autant de chance. Je crois qu'il est tombé. Allez, avance. Ah, putain. Ça s'est arrêté. Bon, tant mieux. Putain. Pas mal pour une autre mission si près du jeu. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Merde, je suis tombé. Oh, ça va, on réapparaît juste à côté. Oh, bon point. Bah, c'est un bon petit point de la fin, ça, figurez-vous. Ça, c'est classe. Bon, mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Mais franchement, il est vraiment impressionnant comme jeu. Écoutez, je vous conseille franchement de vous faire votre propre avis en vous le procurant. Parce que franchement, il mérite le coup d'œil, croyez-moi. Bon, et bien du coup, je vais m'arrêter là. Sur ce...
Mais j'espère du coup que ce test de Nier Automata sur PlayStation 4 vous aura plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut toi. Portez-vous bien, du coup, tout le monde. Ah, ciao.